Compte rendu de la 74e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 21 octobre 2022. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde-Kyenge, a présidé en visioconférence la 74e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. À savoir, 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et approbation des textes. S'agissant du premier point, de la communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté essentiellement sur trois points, à savoir 1. De la tournée du travail du président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre a informé le Conseil de la tournée de travail qu'effectue en ce moment Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord à Londres et au Ghana, et ensuite ce sera le Nigeria et la Tanzanie. À l'étape de Londres, le président de la République a été l'invité d'honneur du prestigieux Financial Times Africa Summit qui s'est focalisé cette année sur les investissements en Afrique. Dans son propos, le chef de l'État a évoqué les opportunités qu'offrent l'Afrique et la RDC tant au plan des ressources humaines que des ressources minérales. Il a réservé l'essentiel de sa communication aux réponses que notre pays, en tant que pays solution, donne à l'humanité au regard des enjeux climatiques et environnementaux qui guettent le monde entier. En marge de sa participation à ce forum, le président de la République a eu d'importants entretiens avec les autorités britanniques, dont Sa Majesté le roi Charles III, faisant de lui le deuxième chef d'État au monde à être reçu en audience par le nouveau souverain britannique. Leurs entretiens ont porté essentiellement sur la question de la préservation des forêts tropicales, ainsi que sur la contribution cruciale qu'apporte notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le roi Charles III a aussi promis d'user de son influence pour mettre fin au bruit des bottes dans l'est du pays, lesquels contribuent eux aussi à la destruction de l'écosystème. Après Londres, le président de la République a séjourné à Accra, où il a effectué une visite d'État auprès de son homologue, Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Les deux chefs d'État ont jeté les bases solides de la coopération bilatérale mutuellement avantageuse. 2. De l'auto-évaluation à mi-parcours de l'action gouvernementale. À 2 mois de la fin de l'année en cours, le Premier ministre a estimé que c'est une occasion pour le gouvernement de la République de procéder à une auto-évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du programme d'action 2021-2023 qui se résume en 4 secteurs ci-après. 1. Politique, justice, défense et sécurité. 2. Économie et finances. 3. Reconstruction. 4. Social et culturel. Il a insisté sur la nécessité de ne ménager aucun effort pour poursuivre la réalisation des actions prévues,
lesquelles doivent concrétiser la vision du président de la République, chef de l'État, celle de bâtir un Congo fort, prospère et solidaire. Pour ce faire, le Premier ministre a exhorté chaque ministre, chacun en ce qui les concerne, à se livrer à cette exigence de la gestion axée sur les résultats pour identifier les actions totalement réalisées, celles en cours et celles non encore réalisées. Cet exercice de management public va permettre au gouvernement de mieux s'acquitter de son devoir de redevabilité en toute transparence vis-à-vis du peuple. 3. De la rencontre avec le cardinal. Le Premier ministre continue de suivre étroitement la situation sécuritaire à l'est du pays et dans la province du Maïndombe. C'est dans ce cadre qu'il a échangé avec le cardinal Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, après la visite de réconfort que ce dernier a effectuée dans cette partie du pays. Le chef du gouvernement a salué la collaboration et a insisté sur la nécessité de travailler en synergie pour mettre fin à ces conflits intercommunautaires. 2 points d'information. Le premier point d'information portait sur l'État et l'administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a informé les conseils de l'état du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés et terroristes. Pendant la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par 1. La participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au 9e Forum Africa Summit Financial Times 2022 pour l'investissement en Afrique tenu à Londres. 2. Par la décision du gouvernement de la République annonçant pour la 1e fois son refus catégorique de négocier avec les terroristes du M23 tel que souhaité par ces derniers. 3. Sur l'examen de la motion de défiance déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre le ministre du Transport, voie des communications et désenclavement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a succinctement brossé la situation sécuritaire dans quelques provinces et a mis en exergue les faits suivants. Dans la ville de Kinshasa, manifestation de colère des étudiants de l'INBTP qui ont incendié 2 véhicules, saccagé plusieurs chambres de leur home et les bureaux du directeur général en date du 17 octobre 2022 pour protester contre la décision des autorités de les évacuer des dits home pour besoin de réfection dans le cadre du programme de reconstruction des universités initié par le président de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a terminé son propos par informer les conseils de la situation des déplacés internes dans les provinces du Kwango, du Kwilu et la situation qui y prévaut à la suite du conflit intercommunautaire dans le Kwamout. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 2. Situation sécuritaire. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
sur la situation sécuritaire dans le pays, le ministre d'État, ministre de la Justice, faisant l'intérim du ministre de la Défense et ancien combattant en mission, a informé les conseils de la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège et de la traque des forces négatives dans l'est du pays. Elle a aussi fait part de l'évolution de la situation à Kwamout dans la province du Maïndombe. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 3. Situation sanitaire dans le pays. Prenant la parole au nom du ministre en mission, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène, Prévention, a présenté au Conseil la situation sanitaire dans le pays qui reste stable et maîtrisée, notamment en ce qui concerne la COVID-19 et les épidémies de choléra et de monkeypox. La discipline sanitaire, qui consiste notamment à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner, demeure recommandée pour minimiser l'impact des nouvelles vagues et ou des nouveaux cas de contamination. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 4. Rapport de mission du ministre de l'Environnement. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Rural Durable a présenté au Conseil le rapport de sa participation à la réunion stratégique du groupe de négociation des pays les moins avancés sur les changements climatiques et à la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement tenue à Dakar du 12 au 16 septembre 2022. En ce qui concerne le premier volet de ce rapport, elle a indiqué que le groupe des négociateurs des pays les moins avancés, PMA, rassemble 46 pays en développement dans le monde, dont la République démocratique du Congo, qui défendent en commun leurs intérêts. Ils partagent des considérations au sujet de leur vulnérabilité et de leurs besoins de soutien pour planifier leur adaptation. Les objectifs poursuivis par la réunion de Dakar ont été de faire le point sur le progrès réalisé à ce jour dans les négociations internationales sur les changements climatiques, de discuter des questions et défis clés, de développer un plan et de convenir des priorités et positions pour la COP27. Ainsi, les ministres en charge de l'environnement des pays les moins avancés ont pu se concerter pour définir leur stratégie, discuter des priorités et besoins clés, des objectifs et des positions africaines pour la COP27. S'agissant du deuxième volet du rapport fait au Conseil, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a commencé par rappeler au Conseil la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, la CMAE, a été créée en décembre 1985 à la suite d'une conférence de ministres africains de l'environnement tenue au Caire, en Égypte. Son mandat est de défendre la protection de l'environnement en Afrique, de veiller à ce que les besoins humains fondamentaux soient satisfaits de manière adéquate et durable, et de veiller à ce que le développement économique et social soit réalisé à tous les niveaux et de veiller à ce que les activités et pratiques agricoles répondent aux besoins de la sécurité alimentaire de la région. Les mesures adoptées par la CMAE pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux en Afrique ont toujours été participatives et consultatives depuis sa création. L'existence de la CMAE
a eu un impact pour la première, sur la manière dont les questions environnementales sont traitées dans la région. Elle a également contribué à renforcer la participation et l'implication active de l'Afrique dans les négociations mondiales que dans les accords internationaux sur l'environnement. Au terme de ces assises, notre pays a été réélu à la vice-présidence de la CMAE pour l'Afrique centrale. Plusieurs décisions allant dans le sens d'assurer le bien-être des populations et garantir la durabilité environnementale en Afrique ont été prises. Avant de conclure son intervention, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a fait le point sur les bilans satisfaisants des assises de la pré-COP 27, respectivement à Yangambi et à Kinshasa. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 5. Trois rapports de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté trois rapports relatifs 1. Au projet de construction de nouvelles prisons. 2. Aux négociations entre la RDC et la société Transvaal Mining. 3. Au contentieux République démocratique du Congo contre FC Hémisphère. S'agissant du premier rapport, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a rappelé que c'est dans le souci de faire face à la situation précaire de nos établissements pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale, aux évasions répétées et aux autres que le président de la République a chargé son ministère de faire un état des lieux au terme duquel des propositions appropriées devraient être faites pour humaniser et sécuriser davantage nos établissements pénitentiaires. Eu égard aux besoins pressants de trouver une solution rapide et durable, et après l'étude de faisabilité, il s'est dégagé l'idée de construire au moins 11 prisons d'une capacité de 2500 personnes, chacune à travers le pays, selon l'ancienne configuration de 11 provinces. Ces nouvelles prisons seront équipées et sécurisées conformément aux normes internationales en la matière. En plus des nouvelles prisons à construire, ces projets offrent aussi la possibilité de réhabiliter celles qui existent. C'est notamment le cas des prisons de Kasapa à Lubumbashi et de Buluo à Likasi. Par ailleurs, pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et rendre les détenus productifs, chaque prison sera dotée des unités de production, boulangerie, pâtisserie, etc., des centres et ateliers de formation au métier. Les prisons situées dans les provinces à vocation agricole auront des espaces pour l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Pour ce qui concerne le second rapport relatif au contentieux de la République démocratique du Congo contre FG Hémisphère, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil, consécutivement aux recommandations du président de la République formulées au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres, qu'elle a eu des échanges avec FG Hémisphère. Cette structure a marqué son accord pour le règlement de ces contentieux par la voie des négociations. Quant au troisième rapport, lié aux négociations entre la République démocratique du Congo et la société Transvaal Mining SA, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux,
a indiqué que les négociations évoluent positivement dans le sens de résoudre à l'amiable ces différends nés entre les deux parties en rapport avec le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Busanga. Le Conseil a pris acte de ces trois rapports. 6. Rapport de mission de la délégation gouvernementale aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Intervenant à cet effet, le ministre des Finances a présenté le rapport de mission de la participation de la délégation gouvernementale aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI tenues à Washington, aux États-Unis d'Amérique, du 10 au 16 octobre 2022. Au plan bilatéral, les services du FMI ont félicité le gouvernement pour la résilience de l'économie congolaise ainsi que les performances réalisées particulièrement dans les domaines de la mobilisation des recettes domestiques et l'accumulation de réserves internationales. Ils ont également encouragé le gouvernement à poursuivre les réformes engagées dans le cadre du programme soutenu par la Facilité élargie des crédits, FEC, pour lesquels une mission de l'équipe pays séjourne à Kinshasa depuis le 19 octobre jusqu'au 2 novembre 2022. Les services du FMI ont soulevé une inquiétude par rapport à la masse salariale et son manque de prévisibilité, d'autant plus que son évolution peut porter un risque majeur sur la soutenabilité budgétaire en cas de retournement de la conjoncture. À ce sujet, le Conseil des ministres a convenu de clarifier et de renforcer le rôle du ministère en charge de la fonction publique pour tout acte ayant une incidence sur la masse salariale des agents et fonctionnaires de l'État. En ce qui concerne le nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, la délégation a rappelé au service du FMI la requête congolaise visant à bénéficier de ses ressources et ce, en considérant la contribution de notre pays dans la lutte contre le changement climatique. S'agissant de l'accès de la RDC à ces fonds, il a été convenu avec les FMI d'ouvrir les négociations pendant la troisième revue du programme en cours en vue de les conclure au plus tard au courant du premier trimestre de l'année prochaine. La rencontre avec la Banque mondiale a débuté par la signature de l'accord de financement relatif au projet de résilience urbaine de Kananga pour 100 millions de dollars visant principalement à lutter contre les érosions. Par ailleurs, la délégation a eu des réunions avec la vice-présidente de la Banque mondiale et le directeur général de la Société financière internationale, la SFI, pour passer en revue les opérations en cours d'exécution et les secteurs de concentration du nouveau partenariat adopté en mars 2022. Dans l'ensemble, la RDC a été félicitée pour les performances macroéconomiques et l'accroissement du taux de décaissement. La politique actuelle du gouvernement visant à renforcer les dispositifs de coordination et de suivi des projets est encouragée et soutenue par la Banque mondiale. Concernant l'octroi du deuxième appui budgétaire par la Banque mondiale, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts pour accomplir les différents déclencheurs. La délégation a obtenu de la Société financière internationale l'engagement d'augmenter son portefeuille en RDC avec un accent particulier
sur les secteurs de l'habitat, de l'agriculture et de l'énergie. Les deux parties ont convenu d'organiser conjointement à la mi-mai 2023 à Kinshasa un forum sur l'agro-business. Par ailleurs, les questions bilatérales et spécifiques en rapport avec l'agenda congolais de lutte contre la corruption et la criminalité économique ont été passées en revue avec le sous-secrétaire d'État américain au Trésor en charge du terrorisme et de l'intelligence financière, M. Brian Nelson. Tout en encourageant le gouvernement congolais à accélérer le rythme des réformes, notamment l'adoption de la loi anti-blanchiment ainsi que ses mesures d'application, l'administration du Trésor s'est montrée satisfaite de l'engagement effectif des autorités congolaises et elle a réitéré toute sa disponibilité à apporter au gouvernement son assistance à cet égard. Le ministre des Finances a informé le Conseil du point critique qui est revenu lors des différents échanges. Il se rapporte à la perspective d'exploitation de 6 blocs pétroliers qui se trouvent dans les zones protégées. À ce sujet, la position congolaise donnée à l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, M. John Kerry, a été valablement défendue par la délégation devant l'ensemble des interlocuteurs rencontrés. Le ministre a été complété par le ministre d'État, le ministre du Budget. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au point 3, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 73e réunion tenue le vendredi 14 octobre 2022. Au point 4, examen et adoption des projets de texte. En premier lieu, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période des 15 jours prenant cours le 12 novembre 2022. L'objectif étant de cristalliser les acquis des opérations antérieures en permettant à nos forces armées de poursuivre des actions d'envergure sur terrain en vue de restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débats et délibérations, ce projet de loi a été adopté. Deux projets de loi ont été présentés par le ministre des Finances. Le ministre des Finances a soumis au Conseil deux projets de loi pour examen et approbation. En premier lieu, il a présenté le projet de loi relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, en soulignant que l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 a institué en République démocratique du Congo en matière des revenus des personnes physiques et des personnes morales un système d'imposition comprenant trois cédules ayant chacune des règles d'assiette et des taux spécifiques, à savoir les revenus locatifs, les revenus des capitaux mobiliers et les revenus professionnels comprenant les rémunérations et les bénéfices et profits. Ce système d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et la fiscalité des personnes physiques, a souligné le ministre des Finances.
C'est pourquoi le projet de loi présenté institue deux impôts distincts. 1. Un impôt sur les sociétés, IS, et un impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. L'impôt sur les sociétés s'applique uniquement aux bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales, alors que l'impôt sur les revenus des personnes physiques s'applique quant à lui exclusivement aux revenus réalisés par les personnes physiques. En outre, le dit projet de loi institue en matière de réévaluation de l'actif immobilisé des entreprises, 1. Une réévaluation libre et une réévaluation légale. 2. Un prélèvement libératoire de l'IS et de l'IRPP en cas de plus-value des réévaluations dont les taux sont fixés à 20% et 5% respectivement en cas de réévaluation libre ou de réévaluation légale. Et en matière de report de déficit, le projet institue un système d'imputation des pertes sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Le projet de loi prévoit également des exonérations et exemptions spécifiques en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques au niveau de chaque catégorie de revenus. En second lieu, le ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 004/2003 du 14 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale. Il a souligné que l'introduction dans la structure du système fiscal congolais de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques appelle conséquemment la modification de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale. Ces modifications se rapportent aux dispositions particulières relatives aux obligations déclaratives, aux modalités d'exercice de contrôle et aux modalités de recouvrement. S'agissant des obligations déclaratives, le projet de loi introduit des dispositions particulières concernant 1. La déclaration de l'impôt sur les sociétés et celle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 2. La déclaration de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les catégories des revenus salariaux et revenus assimilés, des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values réalisées. La déclaration du prélèvement sur les prestataires des services non résidents, la déclaration de la cotisation exceptionnelle à charge des entreprises employant un personnel expatrié et enfin les échéances de souscription. Quant aux modalités d'exercice du contrôle, il est institué en direction de personnes physiques une vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble. Pour ce qui est des modalités de recouvrement, le projet de loi donne des indications sur les paiements de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les catégories des bénéfices des activités industrielles, commerciales, immobilières et artisanales, des bénéfices des professions non commerciales et des bénéfices de l'exploitation agricole suivant le régime réel d'imposition qui s'effectue par voie d'acompte prévisionnel. Il en est de même pour le paiement de l'impôt sur les revenus des personnes physiques dans les catégories des revenus salariaux et revenus assimilés, des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values réalisées, qui s'effectue par voie de retenue à la source. En revanche, l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les catégories des bénéfices des activités industrielles, commerciales, immobilières et artisanales, des bénéfices des professions non commerciales
et des bénéfices de l'exploitation agricole, mais imposés suivant le régime des petites entreprises, est payé en deux quotités. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de loi. Commencé à 12h27, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h. Je vous remercie.